Je disais, moi je suis né à Troyes en tant qu'entraîneur, hein, parce qu'avant j'étais au centre de formation, et c'est vraiment le meilleur moment de ma carrière d'entraîneur, c'est ici que je les ai passés, quoi. Je veux dire, les années à construire le club, à monter les échelons, à aller vers la Coupe d'Europe, avec un encadrement, avec des dirigeants qui me faisaient confiance, où on a pu vraiment bâtir quelque chose de solide, puisqu'il y a encore maintenant, voilà, le club est encore en première division, avec un bon centre de formation, avec des objectifs intéressants. Donc voilà, je suis très content que le club ait duré, parce que c'est tellement difficile de rester au très haut niveau, quand on a l'image d'anciens clubs comme Saint-Etienne, Nancy, on voit un petit peu la difficulté qu'il y a à rester. Donc je suis très très content et je souhaite longue vie encore à l'Estac. Les épopées européennes, avec tous ces voyages, des déplacements dans des milieux qu'on ne connaissait pas du tout, c'est un peu ce qui reste un petit peu de cela. Je pense que c'est mes meilleurs souvenirs. Bah, ça reste une ville qui aime le football, et donc il y a le potentiel de développer un club. Et je pense qu'avec le président, les nouveaux objectifs qui sont fournis, pour avoir discuté avec lui avant le match, voilà, ils sont assez cohérents dans la vision qu'ils ont du club, de ce qu'ils peuvent faire avec le club, avec des objectifs. Mais voilà, c'est difficile pour tout le monde. Bon, je leur souhaite une bonne réussite. Je sens dans plein de petits détails, lorsque vous allez dans les stades, que ce soit sur le marketing, sur je vois ce salon des légendes, le club des légendes, tout ce qui est organisé, on sent que c'est un club qui est bien organisé. Et après, il faut des objectifs sportifs clairs, une vision économique du club, pour justement ne pas non plus faire n'importe quoi. Et donc apparemment tous les ingrédients sont réunis pour pouvoir maintenir le club en première division. Maintenant c'est difficile, on sait qu'il y a deux championnats pratiquement, beaucoup d'équipes luttent pour leur maintien, et c'est le plus important avant cette refonte du championnat. Très heureux de faire partie du club des légendes. Oui, très très heureux, j'ai vu justement, c'était une belle initiative et c'était très sympa.